va passer à l'actualité un peu moins gaie. Du coup, l'actualité, elle concerne le Doliprane. Vous êtes vice-présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat. Malgré une offre améliorée d'un fonds français pour acheter la filiale qui produit le Doliprane, Sanofi a donc confirmé ce week-end, dans un entretien en Courrier Picard, finaliser la cession au fonds américain. Avant de venir sur les garanties de l'État, déjà, est-ce que vous comprenez le choix de Sanofi qui estime que c'est un projet de croissance? Vous l'avez dit, moi je suis vice-présidente de la Commission des affaires économiques parce que j'aime beaucoup l'économie et j'aime beaucoup l'économie française. Moi je défends le fait qu'en France nous puissions avoir des entreprises qui produisent français et qui continuent, j'allais dire, à faire de la France un pays industrialisé. Et donc, effectivement, j'aurais vraiment voulu que Sanofi puisse rester en France, puisse continuer à être produit en France par des, et financé par des fonds français. Donc là, je pense que le gouvernement aurait pu, effectivement, aurait pu mettre son droit de veto et ne pas laisser partir ce fleuron français auprès des Américains. Il aurait dû bloquer la vente, l'État. Il aurait dû bloquer la vente et permettre à ce que ce soit un fonds français qui le rachète. Si on veut garantir notre souveraineté dans de nombreux domaines et le médicament en est un, nous l'avons vu hein, pendant la crise Covid que c'était important en fait de continuer à avoir une souveraineté en matière de santé. Et bien dans ce cas-là, nous ne devons pas laisser partir tous les fleurons français à l'étranger. C'est aussi une question de recherche, puisqu'on sait que Sanofi a depuis déjà plusieurs années délocalisé sa recherche aux USA. Et bien, nous devons aussi avoir une recherche suffisamment efficace pour que ces grandes entreprises restent en France. Et si vous me permettez, je vais faire un tout petit lien avec ce qui s'est passé à Duralex, cette coopérative qui a été rachetée par ses salariés. Nous voyons que nous devons trouver les moyens en France de garder nos entreprises. Alors que ce soit par des coopératives spécifiques de salariés, ça aussi, ça pourra être développé et je m'y attacherai, que ce soit par l'action du gouvernement pour pouvoir permettre que les entreprises restent en France, restent françaises, eh bien nous devons y travailler, c'est un sujet extrêmement important. Alors l'État hier soir qui a dit qu'il avait obtenu le plus haut niveau de garantie possible concernant le maintien de l'emploi, le maintien du développement en France et qui va donc rentrer au capital d'Opella, alors à très, très petite hauteur, mais qui va rentrer dans ce capital, c'est la filiale de Sanofi qui commercialise le Doliprane. Est-ce que ça, ça vous rassure de la part de Bercy? Alors, dire que ça me rassure, ben, c'est mieux que rien. Il vaut mieux faire effectivement avoir cette action, cette négociation. Mais en réalité, ce fonds américain, d'ici quelques mois, voire quelques années, pourra trouver que ça n'est pas assez rentable et lui-même le revendre, etc. Et donc, ses engagements ne tiennent que pour quelques années. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Duralex, qui a été racheté à de nombreuses reprises par de nombreux fonds. Et au bout d'un moment, qui disent « bon, ben, finalement, ça ne nous intéresse plus une fois ». Qu'il y a eu énormément de profits d'effectuer. Donc là, je pense qu'il aurait fallu garder en France et sous propriété française ce fleuron du médicament qu'est le Doliprane et qui est vendu à 97% en France. L'actualité du jour, l'actualité parlementaire, du côté de l'Assemblée d'abord, ce sont les députés qui commencent donc l'examen du budget 2025, ce sera ce soir à 21h30, et Michel Barnier qui hier, dans un entretien au JDD, estime qu'il faut maintenir la stabilité en faveur de la croissance et de l'économie et que, je le cite, l'effort dont chacun doit prendre sa part ne doit pas se transformer en concours l'épine fiscale. C'est ce que fait la gauche? Écoutez, Monsieur Barnier nous propose de choisir entre l'austérité ou la transition écologique. Moi, je suis écologiste et je choisis la transition écologique parce que je sais que c'est le seul moyen d'assurer l'avenir pour nous-mêmes et pour nos enfants. Donc, nous devons avoir un budget qui soit un budget qui mène une politique écologiste. Or là, celui-ci fait tout le contraire. Vous voyez, même la ministre du budget menace de démissionner. Donc, c'est pour vous dire si ce budget ne respecte pas les questions écologiques, que ce soit sur le fond. On peut rentrer dans le rang hier, quand même. Que ce soit sur le fond, oui, c'est un peu rentré dans le rang, effectivement, puisqu'on a proposé un certain nombre d'amendements, mais vous le savez aussi, ce budget n'a pas été voté, in fine, en commission, en tout cas pour les recettes, en commission des finances à l'Assemblée. Donc, moi je dis que la richesse depuis de nombreuses années, on le dit, a été mal distribuée, elle a été redistribuée principalement aux grandes entreprises, et donc il y a là aux grandes entreprises et aussi aux personnes les plus riches, puisque lorsqu'on enlève l'ISF, eh bien effectivement, c'est des recettes en moins.
Et ça ne permet pas de pouvoir continuer à financer les services publics. Sur les grandes entreprises, juste pardon, parce qu'hier, Michel Barnier, il dit que ces contributions sur les grandes entreprises et les plus riches, elles doivent être temporaires. C'est la seule condition pour qu'elles soient acceptées, il dit. Est-ce qu'il n'a pas raison là-dessus ? Alors, ça dépend sur quelles entreprises. Moi, je pense, et je vous le disais, je suis très attachée aux questions économiques, je pense qu'il faut préserver notre tissu de petites et moyennes entreprises, puisqu'en fait, en réalité, c'est aussi ce qui fait la France, c'est ce qui fait l'emploi, c'est ce qui est inscrit dans les territoires, mais que par contre, des grandes entreprises qui font des profits indécents à des moments où les Français eux-mêmes ne réussissent pas à boucler leur fin de mois, eh bien oui, il faut les taxer, et effectivement, il faut taxer ces entreprises qui font des bénéfices importants. Surtout en période d'inflation, on l'a vu là quand on a passé cette période d'inflation très très forte, des entreprises faire encore plus de profits pendant les périodes d'inflation, ces super profits doivent être taxés et ça n'est pas une manière éthique de faire de l'économie et nous devons y répondre. Parce que cette taxation va permettre de financer l'école, va permettre de financer l'hôpital, des sujets qui sont au cœur des préoccupations. Sur ce que vous disiez, vous dites Michel Barnier, il nous donne une alternative entre austérité et écologie. Dès son discours de politique générale, Michel Barnier, il a mis sur le même plan la dette financière et la dette écologique en disant qu'il fallait s'attaquer aux deux. Pour vous, ce n'est pas un Premier ministre écolo ? Ah ben là, il ne montre pas, en tout cas. Effectivement, il a évoqué la question de la dette financière, mais ça ne suffit pas à faire de lui un écologiste. Donc là, nous, on attend les actes, et les actes, c'est dans le budget de l'écologie qu'on les verra. Et le dernier point, c'est peut-être les collectivités territoriales aussi, qui se voient, elles, amputées de près de 5 milliards d'euros de budget. Or, les collectivités locales, on le sait, c'est le quotidien des Français. C'est quoi ? C'est la crèche des enfants, c'est la voirie, c'est les transports, etc. Donc, il n'est pas possible. Aujourd'hui, nos collectivités locales ne vont pas bien financièrement. Il n'est pas possible d'augmenter cette pression-là. On va continuer à parler écologie. On va revenir sur les inondations de ces derniers jours. C'est l'actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse locale. On va à Lyon. On retrouve Alexis André. Bonjour Alexis. Merci beaucoup d'être avec nous. Directeur de la publication de Lyon Mag. Alexis, on va faire le point sur la situation après les graves intempéries qui ont touché votre région, la région lyonnaise, ces derniers jours. Oui, les intempéries, c'était jeudi, donc on est 4 jours après, et le Rhône, mais aussi la Loire, pansent encore leurs plaies pour des centaines, si ce n'est plus, d'habitants de Givors, de Rives-de-Gier. Eh bien, ces inondations ont détruit leur vie, même si par miracle, il faut le souligner, aucune victime n'a été à déplorer. Concernant nos infrastructures, la 47 qui avait été inondée a pu rouvrir samedi matin après des heures de pompage. Par contre, le ministre des Transports, François Durovray, se montre beaucoup moins optimiste concernant la ligne TER entre Lyon et Saint-Étienne, qui est la plus fréquentée de France. On a aussi la zone commerciale Givors-de-Valais qui était sous l'eau et qui mettra bien 2 semaines avant de rouvrir. D'ailleurs, il y a un petit conflit social qui couve sur place puisque la direction du Carrefour oblige les salariés à venir ce matin pour nettoyer l'hypermarché, alors même que certains ont encore les pieds dans la bouche chez eux. Alors, 3 questions vont désormais se poser. Comment de telles inondations ont pu se produire dans un secteur où les infrastructures sont normalement suffisantes pour contenir les eaux du Gier ? Pourquoi n'a-t-on pas pu l'anticiper ? Et puis, qui devra payer ? Parce que, alors que la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est accélérée, eh bien, on a Greenpeace à Lyon qui estime que c'est aux entreprises pétro-gazières d'assumer le coût des intempéries parce qu'elles ont une responsabilité dans le changement climatique. C'est un peu ce qu'avait fait l'État du Vermont aux États-Unis cet été. Alors, madame la sénatrice, on connaît le principe de pollueur-payeur qui est toujours un peu difficile à faire appliquer. Est-ce que pour des inondations dont l'origine est si difficile à mesurer, eh bien, est-ce qu'il faut demander des comptes à Total Energy comme le préconise Greenpeace ? Alors déjà, dire que ces inondations sont le résultat d'une crise climatique importante, vous l'avez dit, et c'est important de le souligner parce que quelquefois, on ne voit pas le lien entre le dérèglement climatique et ces inondations. En fait, ce sont, j'allais dire, les prémices de toutes les violences météorologiques que nous allons avoir à cause du réchauffement climatique ou du dérèglement climatique. Donc ça, c'est le premier point. Chez nous, ça se présente avec des inondations, ça se présente aux États-Unis avec des ouragans, ça se présente par des sécheresses en Méditerranée, autour de la Méditerranée. Donc effectivement, c'est bien le résultat du dérèglement climatique. Le deuxième point, c'est de dire que notre urbanisation des villes, longtemps, a été problématique et n'a pas permis
j'allais dire, de laisser suffisamment de place végétale pour que ces inondations puissent pour que ces eaux puissent s'infiltrer, générant ainsi des inondations. Et aujourd'hui, alors que je vois que le ZAN, le zéro artificialisation nette, est en train d'être mis en cause, eh bien je dis que ça n'est pas sérieux de remettre en cause ce zéro artificialisation nette, puisqu'en fait, pour pouvoir éviter les inondations, il faut pouvoir anticiper, et c'est-à-dire pouvoir permettre l'infiltration des eaux au maximum. Sinon, effectivement, vous voyez le Grand Paris, vous parliez de Lyon, je n'ai pas le chiffre pour Lyon, mais le Grand Paris, c'est 87% d'espace bâti. Il reste 13% d'espace naturel pour pouvoir permettre à l'eau de s'infiltrer. C'est très peu, donc là, il y a une chose à faire. Et vous me parliez de Total, je partage totalement votre avis. Effectivement, nous devons demander à ces grandes entreprises qui savaient déjà depuis 1970 que le dérèglement climatique était lié à l'utilisation d'énergie fossile et aux émissions de carbone et qui pourtant n'ont pas agi. Donc oui, nous devons leur demander des comptes. Hier, dans le journal du dimanche, Michel Barnier confirme qu'il présentera très prochainement un plan national d'adaptation au changement climatique. Est-ce que ce n'est pas la preuve quand même qu'il prend ce problème très au sérieux ? Alors, plan national d'adaptation climatique, ça fait très longtemps qu'on en parle. Hein. Moi, je suis élue de Paris. À Paris, nous avons déjà notre troisième plan local d'adaptation au changement climatique. Il redit que c'est une priorité. Mais c'est une priorité. C'est une priorité. Vous voyez c'est un bon bien... signal qu'il envoie. Vous voyez bien qu'en été, bah, ça va dépendre de ce que contient ce plan. Moi, en tout cas, c'est bien de se dire qu'on va reprendre en main ce sujet-là, c'est quand même un peu étonnant, ça fait des dizaines d'années qu'on en parle. Donc à un moment donné, si on veut s'adapter au réchauffement climatique, et ça veut dire il nous faut du budget. Il faut du budget sur MaPrimeRénov' pour rénover les appartements, pour éviter d'avoir chaud l'hiver et d'avoir chaud l'été et d'avoir froid l'hiver. Il faut pouvoir continuer à financer le fonds vert, parce que c'est ça qui permet aussi plein de projets locaux qui répondent à l'adaptation climatique, et puis faire ce que nous avons fait à Paris, hein, c'est nous adapter à la fois aux intempéries d'hiver, mais aussi aux grandes canicules d'été. Et ça, ça demande des investissements localement, donc ne pas couper les budgets des collectivités locales. On remercie Alexis André. Merci Alexis. Merci beaucoup merci d'avoir été avec nous. On regarde la une de Lyon Mag. Une une écolo. Les Verts au pouvoir à Lyon ont-ils tenu leurs promesses? C'est à la une de Lyon Mag ce mois-ci. Merci beaucoup Alexis d'avoir été avec nous. On passe à l'actualité du Sénat. Antoinette Gull, sur le scandale des eaux en bouteille. Ce sont ces eaux qui sont impropres à la consommation mais qui avaient tout de même été vendues. Alors vous avez mené une mission d'information sur le sujet. On va évidemment en parler. Et le Sénat lance désormais une commission d'enquête. Alex Poussard nous rejoint. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Antoinette Gull. Bonjour. Et Alex, le Sénat lance donc une commission d'enquête sur la qualité des eaux minérales après l'affaire Nestlé Waters. Ah oui, c'est un vrai sujet de santé publique, mais aussi de tromperie commerciale. Regardez ce chiffre, 30% des marques françaises d'eau minérale ont utilisé des traitements interdits pendant plusieurs décennies, selon un rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, un rapport de janvier 2024, qui fait suite à l'affaire Nestlé Waters. Il est reproché à ce groupe industriel d'avoir caché que l'eau qu'il puisait avait été contaminée aux matières fécales, cela concernait notamment la marque Perrier. Ensuite, de réaliser sur ces eaux minérales les traitements qui sont normalement faits sur l'eau du robinet, tout en continuant à les vendre comme des eaux minérales naturellement pures. Et puis, il est reproché aussi à Nestlé Waters de faire des prélèvements illicites sur certains puits. Alors, à la suite de cette affaire, Antoinette Gull, vous avez mené une mission d'information sénatoriale sur ce sujet, et votre rapport montre que le gouvernement de l'époque, le gouvernement d'Elisabeth Borne, savait que Nestlé réalisait des traitements interdits sur ces eaux minérales, mais n'a pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à cette tromperie. Alors face à la dimension que prend cette affaire, eh bien les sénateurs socialistes ont souhaité lancer une commission d'enquête. Écoutez le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner. Tromperie commerciale, c'est évident. Scandale sanitaire, c'est fort probable. Est-ce qu'il y a un scandale d'État parce que cela aura été couvert? La mission flash de Mme Antoinette Gull, notre collègue du groupe GEST, a été excellente. Ça nous permet d'avoir un socle pour cette future commission d'enquête que nous souhaitons. Nous allons nous mettre dans le circuit, dans le feu vert que nous donne cette mission flash de Mme Gull. Il faut qu'on connaisse la vérité et il faut que les Français sachent ce qu'ils boivent.
Alors, votre rapport, Antoine Edgul, fait déjà des préconisations pour améliorer la qualité des eaux naturelles produites en France. Il faut renforcer les contrôles des industriels, multiplier les inspections inopinées, améliorer la coordination entre les autorités publiques compétentes, car vous êtes rendu compte que les informations de Nestlé n'avaient pas du tout circulé au sein de l'État. Et puis, il faut, selon votre rapport, rendre public le nom des eaux minérales qui ne respectent pas la réglementation. Antoine Edgul, pour résumer ce que vous avez trouvé lors de votre mission Flash, c'est que le gouvernement savait pour les traitements interdits de Nestlé, mais n'a rien fait. Alors, je crois que la première information de cette mission d'information, c'est de dire qu'il y a effectivement une fraude qui est avérée, une fraude qui est avouée de la part de Nestlé Waters, qui produit 4 marques d'eau, donc Vittel, Contrex, Épar et Perrier. Et sur ces 4 marques d'eau, nous avons effectivement de l'eau qui n'était pas de qualité suffisante pour être considérée comme de l'eau minérale naturelle. Nestlé Waters a tout de même affiché sur l'étiquette de ses boissons eau minérale naturelle. Le deuxième point, c'est que le gouvernement savait et que le gouvernement a laissé faire cette mise en production d'une eau qui était mal estampillée, qui n'aurait pas dû mériter le titre d'eau minérale naturelle. Et le troisième sujet, c'est qu'effectivement, ce sont les consommateurs qui ont payé cette fraude, puisqu'ils payent leur eau minérale 200, 300, 400 fois plus cher que l'eau du robinet pour avoir une eau qui subit les mêmes traitements. Mais une eau minérale naturelle est une eau qui est censée être pure originellement. Et c'est pour ça que les gens s'embêtent à aller la chercher au supermarché, à porter des packs d'eau, à les ramener jusque chez eux, à générer aussi des déchets, les bouteilles plastiques, à la fin, ça génère beaucoup de déchets. C'est parce que, normalement, cette eau est censée être pure. Et là, elle ne l'était pas. Nestlé le savait, le gouvernement le savait. Je ne dis pas que rien n'a été fait. Hein. Les ministres successifs ont travaillé. Ils ont lancé des études, ils ont lancé des contrôles, des inspections, ils ont demandé ils sont assurés de la question du risque sanitaire, mais enfin, ils n'ont pas arrêté la production. Et alors pourquoi, selon vous, est-ce qu'ils ont voulu préserver ce grand groupe industriel ? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu une grande opacité. Et ça, une opacité qui a été voulue de part et d'autre, de la part de l'industriel et de la part du gouvernement, des gouvernements, puisque vous voyez le rapport de l'IGAS que vous datez de février 2024, parce qu'il a été rendu public en février 2024, en réalité, il date d'août 2022. C'est-à-dire que nous l'avons en février 2024, mais les autorités l'ont depuis un an et demi déjà. Voilà. D'accord. Donc c'est pour vous prouver la question de l'opacité. Et puis, je crois qu'il y a un dernier point, hein, qui est un point important, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, après l'étude que j'ai faite pour ce rapport, les nombreuses auditions de personnalités que j'ai pu tenir, je peux dire que je ne suis pas certaine aujourd'hui qu'il n'y ait plus de fraude, par exemple pour Perrier, puisque la dernière inspection qui a eu lieu à Perrier montre qu'il n'y a pas de traçabilité entre la production d'une eau de boisson, c'est-à-dire une eau qui a le droit d'être traitée, et l'eau minérale naturelle. Puisqu'en fait, Perrier, dans la même usine, fait Maison Perrier, qui est l'eau de boisson, et Perrier, qui est l'eau minérale naturelle. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de dire, les contrôleurs ne sont pas capables de dire ce qu'ils contrôlent. Il peut y avoir un mélange des eaux produites sur le même site. On n'est pas sûr du contraire, en tout cas. Est-ce que vous avez réussi à chiffrer l'ampleur de cette fraude ? Alors, tout à fait. L'ampleur de cette fraude a été chiffrée aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui l'ai chiffrée, c'est l'État qui l'a chiffrée, puisque le Service national d'enquête, qui dépend de la DGCCRF, donc Consommation et répression des fraudes, a chiffré cette fraude à plus de 3 milliards d'euros. Quand on sait que la convention judiciaire d'intérêt public qui a été signée pour la partie des Vosges a été signée contre une amende de 2 millions d'euros. 3 milliards d'euros, 2 millions d'euros. Okay. Pardon Alex, est-ce que vous avez réussi à savoir les risques sanitaires pour les gens qui ont consommé ces 4 eaux concernées ? Alors tout à fait, c'est le sujet le plus important, on va dire la question du risque sanitaire. Enfin, c'est un sujet important dans le dossier et ça a pris énormément de temps aux inspecteurs et aux différentes équipes. Puisqu'il y a deux choses. Il y a effectivement l'appellation,
ça n'était pas une eau pure, ça on en est certain. Et puis après, ça n'était pas une eau pure, mais est-ce qu'elle était tout de même, j'allais dire, potable, en tout cas, est-ce qu'elle ne présentait aucun risque sanitaire? Je dis ça parce que toutes les eaux minérales naturelles ne sont pas des eaux potables. Certaines ne pourraient pas être distribuées au robinet, hein, parce qu'elles sont trop chargées en minéraux. Mais ça, ce n'est pas le sujet, c'est est-ce que ces eaux qui ont été vendues ont été de qualité sanitaire suffisante? Il semblerait que oui, que tous les traitements qui ont été faits enlevaient une partie des bactéries, des matières fécales, etc. Et que c'est pour ça qu'ils ont eu lieu. Toutefois, je mets tout de même un petit bémol, c'est-à-dire que sur une eau qui est pure, on ne fait pas tout à fait les mêmes tests et les mêmes contrôles que sur une eau qui est originellement impure. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher tous les éléments de virologie, de virus. On est sûr que les bactéries, etc., sont passées, mais on ne va pas aller rechercher les virus puisqu'on a l'information que l'eau est pure au départ. Donc s'il y a tromperie sur le fait que cette eau soit pure au départ, on ne fait pas les mêmes contrôles à l'arrivée. Je mets ça, je dis que c'est un bémol, mais depuis, les autorités sanitaires se sont aperçues de ce sujet et ont fait renforcer les contrôles sanitaires. Donc il n'y a pas de problème sanitaire a priori. On va le confirmer, mais a priori, à 99,8%, les contrôles étaient bons. Par contre, il y a un problème de tromperie commerciale à grande échelle. Qu'est-ce que vous attendez de cette commission d'enquête qui est lancée par vos collègues socialistes, de compléter votre travail ? Alors, déjà, on va voir si cette commission d'enquête a lieu. On verra ça début novembre au Sénat. Moi, ce que j'attends déjà depuis la remise de ce rapport, c'est que les autorités actuelles s'en emparent. Je vous dis qu'il y a un problème, et un problème de traçabilité des eaux, de deux eaux produites qui n'ont pas du tout la même qualité, eau minérale et eau de boisson, qui peut être traitée. Moi, j'attends aujourd'hui du gouvernement, de la ministre de la Consommation, qu'elle diligente une série d'inspections pour s'assurer que la traçabilité soit effective aujourd'hui. Et si la traçabilité n'est pas effective, alors il faut prendre des mesures parce qu'on n'est pas sûr d'avoir de l'eau minérale naturelle, originellement pure, dans les bouteilles. Les mesures, ça veut dire interdire la production de certaines eaux de boisson, notamment ? C'est ça, garantir la traçabilité ou interdire la production d'eau minérale si ça n'est pas de l'eau minérale. Vous attendez la fermeté de la part de Laurence Garnier, d'ailleurs ancienne sénatrice qui est ministre en charge de la consommation ? Tout à fait, non, de la fermeté. En fait, j'attends aujourd'hui, maintenant que le grand public est au courant, qu'on a levé cette opacité sur le problème de ces eaux contaminées et traitées, eh bien maintenant, il est temps que le gouvernement fasse ce qu'il doit faire, c'est-à-dire qu'il s'assure que les industriels vendent de l'eau minérale naturelle sous cette appellation, ou alors qu'ils prennent les bonnes décisions pour arrêter ces mises en marché. Une question aussi sur l'utilisation de ces ressources en eau, de ces puits. Est-ce qu'il y a, selon vous, un accaparement de ces ressources par les groupes industriels ? Alors, tout à fait. Et c'est une de mes recommandations, c'est-à-dire que nous maîtrisions un peu mieux ces hydrosystèmes souterrains qui sont confiés à des industriels pour qu'on sache exactement combien ils puissent, pour que le grand public le sache, hein, quelle est la qualité de la ressource et que toutes ces données soient rendues publiques. Parce que tant qu'elles ne sont pas rendues publiques, eh bien, elles peuvent générer ce qu'on a vu là, des problèmes d'opacité, de tricherie, de tromperie, etc. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc, c'est vrai que ça pose la question de nos ressources en eau, en règle générale, et des pollutions qui viennent les affecter, puisqu'on a trouvé des matières fécales, mais on a aussi trouvé des PFAS, on a trouvé des pesticides dans les eaux minérales qui étaient vendues. Donc, vous voyez, quand des eaux souterraines, les eaux minérales sont des eaux souterraines, quand des eaux souterraines arrivent à être à ce point polluées, ça doit nous interroger sur nos pratiques à la surface, c'est-à-dire sur nos pratiques agricoles, sur nos pratiques industrielles, de manière à limiter les pollutions. L'eau est un bien commun qui est vital, donc il nous faut la protéger. Merci Alex. Vous avez d'autres questions ? Dernière question. Ah. Donc il y a un problème de transparence sur ces pollutions, notamment. Voilà, on a le souvenir de ces matières fécales qui avaient été retrouvées. Voilà, c'est-à-dire que les industriels cachent un peu les potentielles pollutions des eaux puisées. Là, ils les ont cachées de manière certaine. De manière certaine. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On parlera de la loi immigration et de la politique migratoire de Michel Barnier. Ce sera à suivre dans le club. Un dernier mot sur l'actualité à Paris, mais qui a une résonance évidemment nationale, c'est ce cycliste qui a été tué par un automobiliste, un chauffeur de SUV, tué volontairement, hein, semble-t-il, par ce chauffeur. Est-ce que, du coup, là on est dans un cas très particulier quand même, mais est-ce que ça repose quand même la question de la cohabitation en ville entre vélo et véhicule ? Bon, alors déjà, je voudrais
présenter toutes mes condoléances à la famille de Paul Varry, ce cycliste qui a été tué. Nous avons eu avant-hier une manifestation à Paris, place de la République, en son hommage. Et sa maman était présente et effectivement, je crois que tout le monde était très, très ému. Vous avez raison, ça pose la question de la nécessité d'apaiser l'espace public. Et c'est le témoignage, en fait, d'opposition importante dans ce partage de l'espace public entre les voitures, les vélos, les piétons. C'est compliqué, on est dans une phase de changement, de transition. Et cette phase de changement et de transition, elle implique effectivement qu'il faut mieux partager l'espace public. Nous avons à Paris beaucoup d'infrastructures qui ont été créées. D'ailleurs, je voulais remercier David Béliard, qui est adjoint à la maire de Paris en charge de la voirie. Beaucoup d'infrastructures pour les cyclistes, mais il nous faut réapprendre à vivre ensemble. Vous voyez, on revient quand même à ce sujet du vivre ensemble. Et puis, si vous me permettez, je crois qu'il faut aussi déconstruire la virilité automobile, qui malgré tout est à l'origine de ça. Et ça veut dire modifier la publicité, modifier les comportements masculins au volant. Merci beaucoup. Merci Antoinette Gull. Merci d'avoir été notre invitée pendant cette première demi-heure.